Ah, on se retrouve ici. Très bien. Alors, faut pas qu'on puisse aller voir le roi. Enfin, il faudrait qu'on puisse y aller. On va aller voir la tour du temps. Qu'est-ce qu'il veut? Elle est bloquée. Ah, il connaît une experte qui vit tout près d'ici. Ratchet, la magicienne royale. Ça me dit quelque chose. On va aller là-bas. Alors, tout d'abord, on... cliquer là-dessus. Où est-ce qu'on est, du coup? On va prendre un petit bateau. Le petit bateau. C'est mignon. Je me soigne, on va au palais, on va voir le forgeron et on cherche la magicienne. On va se heal ici au cas où on tomberait contre je ne sais pas qui. Château. Merci bien. Ah, un bonbon. Un bonbon fait de l'eau à la pupure. Un quota froid sphérique. Merci. Ça va être pratique. Hop, la carte. Direction le palais. On fait ça. Alors, il nous achète plein de matériaux. Ça nous fait pas mal de sous. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Un bâton de rune, une rapière alimentaire et un gros marteau. Le bâton de rune, ça m'intéresse. On peut le fabriquer. Il m'en faudrait deux. Ensuite, la rapière. Niveau 16, on va en prendre une également. Ça, ce sera pour Billy. Alors, du coup, il manque quoi? Une gilet verte. Ok. Du temps. Okay. Hop, ça on va l'acheter. Attends. Au niveau des lances. Faut attendre pour aller. Pour aller à tour du temps. Ça, et avec l'autre équipe. Là, je peux équiper ça. Mais les autres. Par exemple, l'arc. L'arc, je peux. Bon, marteau, je n'ai pas ce qu'il faut. Hache non plus. C'est déjà pas mal. Hop. Du coup, on a un nouvel allié. J'ai pas regardé du level combien. Il fait quoi dans la vie? Il est niveau 20. Il n'a pas d'armes. Et salut Phoenix, comment tu vas? Les portes. Ça. Je
pas si je m'en servir. On verra plus tard. Alors, l'arbre des talents, on a pas mal de choses à mettre. Hop, on va passer par en rond avec elle. On sent physique, il y en a pas mal. Ouais. Ça va être un petit peu mieux quand on aura up tout le monde. Prochain niveau pour apprendre tranchant de type feu sur un ennemi. Pas juste ça, elle va pas apprendre personne de feu sur un ennemi. Il va falloir voir si on lui met. Alors on a ça, ça. Du coup je pense qu'on va les remplacer par le tien incandescent. Et ça doit être petit et moyen. Donc voilà pour ce groupe là et celui-ci. Changer les compétences. Alors, avec Anne, qu'est-ce qu'elle aura, elle? Attaque ton champ. Elle, on va tout de suite mettre résistance terre. C'est notre temps. Force du groupe et régénération. C'est vachement bien ça. C'est mieux que un truc de debuff. Ah putain, Phoenix, ça tout à l'heure. C'est la même chose. Hein. Alors, c'est bon. Alors, au niveau des compétences, du coup. Pareil, attaque. Du coup, les attaques élémentaires, on les change. Toi, tu ne l'as pas encore. Toi, tu l'as normalement. À la place de la pointe de Zephyr, on a la lance supersonique. Ça, et toi, du coup, la vivacité, on va la garder, mais on va changer la réinitialisation qui annule tous les bonus et malus d'un ennemi. Je pense, hein. Ou annule les altérations d'état du groupe. C'est quoi le mieux? Je sais pas. On se peut se retirer une réinitialisation parce que j'en sers jamais. Rétablissement, ça peut être pas mal sur un. Il n'y a dit qu'à poison ou paralysie. On va essayer, c'est vraiment ça va prendre le changement.
ils ne sont pas encore changés. Sur le level 18. Ok, ça c'est fait, c'est cool. On va aller à la taverne pour voir la magicienne. Ratchet. Elle se transforme en grenouille suite à quelque chose. Qu'elle le connaît, mais apparemment, elle était humain avant. Ça devait être un garde. Alors, pour annuler le saut, va falloir aller chercher les trucs là. Moi je dis oui. Pourquoi pas? Si on tape avec le fourreau, est-ce que ça suffira? Si on l'utilise que pour le boss, est-ce qu'on a le droit? Ah voilà, ça, il va falloir commencer à charger de la viande. De son estomac. Ah, fais-nous ta liste de courses tout de suite. Hein. Ah la chance. Alors, on doit aller chasser pour récupérer de la viande pour nourrir la bichette. On va changer de groupe. Expert un peu. Vraiment un combat s'il vous plaît. Merci. Si on lui met des dégâts hauts via une arme, ça fait beaucoup de dégâts. Si tu lui mets deux directement, ça marche pas. Ça risque d'être un gros monstre. Ah là, qu'il est pas beau. Regardez votre dinosaure. C'est quoi qui se mange les cuisses? Je pense, hein. Parce que sinon elle reste. Alors, le sujet est une source de nutrition idéale. Impossible de les domestiquer. Ça comme un gros combat. En fait, ça va être très rapide. Je m'attendais un peu plus de résistance. J'aurais pu garder le team. À moins qu'il y en ait 10 qui arrivent. Hop, on tient la viande. Est-ce que ce serait suffisant?
Oula. Il est dangereux le volatile. Hein. Il apparaît comme par magie. Ah, elle n'a pas du tout de vitesse. Il va bien son nouvel arc. Pas si vaut que l'ancien, mais fait mal. Alors, est-ce qu'il va falloir aller chasser d'autres trucs? Ça va être bon. Ah, c'est parfait. Alors, on a préparé tout. Elle est prête. Une seule portion de substance peut être libérée. Vous ne pouvez pas impulser entièrement le sang. Oh, ça sera suffisant, hein. On va se faire engueuler ou pas? Ah, on revient ici. En vide espace-temps intersidéral. Oh. Aldo, donc il partage en cœur de notre clan, la cité à vous et le saut sur tout. Ah, mais d'accord. Alors, notre clan est exterminé par le peuple et des bêtes. Même dans la mort, notre soif de vengeance persiste. Tu désires, nous t'octroierons assez de puissance pour les éradiquer jusqu'au dernier. Nous sommes des alliés. Notre destin est lié au nom depuis plus longtemps que tu ne penses. La vérité sera révélée. Un jour ou l'autre. On se fait réveiller, du coup on peut pas chatter dans notre subconscient. Pardon. Bah merci Bichette. Hein. Ça devrait nous aider pour les futurs combats. Alors, je sais pas comment on va l'utiliser. Ah ah! L'objet sacré. On t'apportera du lait, la viande. Allons-y, les amis. Nouvelle fonctionnalité, force another déverrouillé. Alors, vous pouvez maintenant utiliser la force en combat. Alors, quand vous stackez vos ennemis, la force s'accumule. Parce que la chose est remplie à plus de moitié au sort en mesure de l'activer. Vos ennemis ne sont pas en mesure de vous attaquer, vous utilisez vos compétences sans aide de points de mana, et ça jusqu'à ce que le jauge soit vide. C'est vachement utile! Avec une attaque spéciale, lorsqu'elle est à son maximum. Possible de combiner une attaque spéciale également. Et des combos. Les personnages peuvent aligner des combos. Ça va activer quelques secondes selon le pourcentage de force que je mets dans le jeu. D'accord. Bon, on va se soigner. Déjà. On va être tranquille. On va aller à la tour du temps en plus.
profiter pour XP un peu avec le groupe 2. Comment on s'en sert un truc dessus, je pense. Alors, on est bientôt à 1000 cailloux, là, 1000 pierres. On pourra choper les trucs. Hey, salut Gray, ça va être toi? Habitué moi quand il y a pas de cailloux sur la route. Alors, est-ce que là on a découvert une nouvelle fonctionnalité, Gray? Petite jauge de. Une jauge de rage. Je sais pas si elle est utile pour vaincre les gros monstres. Ah non, il est étourdi avant qu'il t'aille. Ah bah, elle est endormie après. On va changer de groupe pour cette nouvelle zone. On sait jamais. Très bien, on va être vigilant. Alors, la tour du temps, c'est plus un vaisseau spatial. Hein. Énormément de câbles. Hein. Je pense que ça tire un rayon laser. Le rez-de-chaussée. Ouh là là, ça fait très alien. Alors, la tour entière est un organisme vivant. Très bien. Alors, on découvre les secrets du roi. Bien sûr. On va visiter l'intégralité de cet endroit. Ça va mettre du temps. Alors, nouveau monstre. Est-ce qu'il résiste à quelque chose? Ils sont faibles à quelque chose? Ok, la magie, ça a l'air de leur faire pas mal de dégâts.
Voilà, XP. Hein. Alors, fallait par là, là c'est d'où on vient. À nous, Louboulous! Alors, lance supersonique, hein. Faut qu'on voit que ça ressemble. Hein. D'accord, lui, il. Ça fait des dégâts. Ah, pourquoi t'as recommencé? Ouais, je pense qu'on va. On va XP, explorer et on reviendra au palais. Ah, une zone fermée. T'as pas plu le premier perso que t'as choisi? Hop, on va récupérer ça tout de suite. On va récupérer 15. Il nous manque 66. Ah, mais c'est pas très grave ça. Parce que. Non, ils ont pas décrit, faut que tu choisisses. Un peu au pif. Ah, on va à la gauche. Mais du coup, y'a quoi là? Juste une pièce? Ah, c'est l'ascenseur qui est hors service. Autant pour moi. Alors, vivacité. Hop, on essaye ça, ça et ça. Ah là là, c'est vachement bien la récup. Limite, tu la prends, tu fais récup et tu la dégages. Hein. Mais c'est pas grave, regarde ce que tu aimes. Mais je pense pas que ce soit très grave de prendre la même. Oui, c'est de ma faute, gars. C'est vrai. J'aurais dû te prévenir. Mais sur la partie sur mon partage, j'ai pris une lancière. Pas mal de bonnes AOE et dans cette partie là c'est Tam Tam qu'a choisi et on a pris une archère. Après, pas mal. Après c'est une classe que tu préfères, tu prends ce que tu veux. Si tu veux voir à quoi ressemblent les persos, tu peux aller sur le wiki. Il y a un wiki sur internet si vraiment tu veux quelque chose de péter. Il y a un Twitter aussi. J'ai pas vu de. Le Discord. Mais tu as de quoi faire. Ah, c'est comme ça plutôt. Okay.
Pareil pour les pieds, je vais en choper assez rapidement. Pour invoquer une nouvelle fois dispersion. Le mieux c'est d'attendre d'avoir 1000 pieds. La dernière fois j'utilise 100, ça sert à rien. Ok, il doit y avoir un interrupteur bleu et après il doit y avoir un interrupteur blanc du côté bleu. Ouais, c'est plus intéressant. Et après, en fonction de ce que tu aimerais, tu regardes la liste et pourcentage de chance. Oui, regarde. Quand tu vas là-dessus, par exemple, moi j'avais pris celui-ci. Et là, tu vois les chances, le pourcentage. Par rapport aux 3, 4, 5 étoiles. Donc le mieux c'est choper en 3 ou 4. Et 4 à 5. Et le wiki, j'ai pas regardé encore. Alors, les caractères. Tiens, je t'envoie le lien. Ah, attends, faut que j'ouvre une autre page. Ça fonctionne pas. Ça c'est les caractères. Tu vois au niveau de la rareté, type de stuff. Et comme ça tu vois en fonction des noms ce qu'ils proposent au début. Ah c'est Komachi, j'aime bien. Alors, 4, 5... C'est peu mûle. De rien. Hop. Alors, on peut aller par là. Du coup, ça veut le truc blanc, bien sûr. C'est jaune. Du coup, ça doit être au-dessus. La manière. Bah, si, ouais, c'est notre planète tous là. Ah, c'est juste là. Là, on va pouvoir voir le rouge pour récupérer un coffre. Fait mal ce but là, allez les. Hein. Oui.
Un vrai Talof, hein. Un vrai Tales of. Vas-y ma biche, on peut y aller. Voilà, alors, ça c'est cool, ça va nous servir à faire pas mal d'armes et d'armures, il me semble. On est au deuxième étage. On est au troisième étage, c'est bien, c'est rapide. La corde, très bien. Toujours un middle. Qu'est-ce qu'on a? Monte quatrième. Donc ça c'est l'ascenseur et donc là-bas c'est une pièce. On a réactivé l'ascenseur. Sous-sol, du coup. Alors, au sous-sol, à part un gros méchant, qu'est-ce qu'on peut trouver? J'irai pas plus loin. D'accord. Pas fait ces dégâts. Troisième.
sais pas combien il y a d'étages. Sûrement 7. Il y a pas mal de dégâts. Alors, là, ça active du rouge. Mais là-bas, elle revient à cap. Nice. Ah non, je croyais que c'était du bleu. D'accord. Il faut faire du violet, il faut du bleu et du rouge. Ok. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Je pensais que ça allait activer celui du sous-sol. Voilà, bien up pour le boss. Ça a des XP après. Dommage de mourir pour rien. Donc encore du violet, il va falloir du bleu du rouge. Ah, 1500 points de vie. Hein. Alors, on a le rouge. Voilà, il y a du blanc pour du vert. Attention. Ah non, sauf le violet. Du coup, le violet pour le blanc et le blanc pour le vert. Ok, va falloir faire attention déjà à la thune. Je peux tout changer. Ok,
4 contre 4, c'est compliqué. Hein. Ok. Ça va, une fois qu'on a mis en place tout ça, on peut remonter. C'est dommage pour la bichette. On aurait pas dû décider Ace. Pas qu'on va utiliser les siens en première ligne. Alors, on l'arrête, hein, bien sûr. T'étais pas là. J'ai tourné trop vite. C'est toujours la même personne, ça suffit maintenant. C'est très très fort. Et du coup, je sais pas ce que c'est comme... comme monstre. Par contre, c'est dommage qu'on l'équipe qui est sur le côté, il ne récupère pas genre un HP par mètre parcouru. Non, il gagne pas l'XP non plus. On va essayer de... Je vais me faire rouler dessus, je crois, mais on va essayer. C'est bien quand même d'avoir deux groupes, voire trois. Ah, du coup, on peut ouvrir là. Ok. Du coup... Ouais, c'est compréhensible, mais juste récupérer un petit peu de vie et de mana, ça pourrait être bien. On a pas de vie, hein. Ça va être très difficile ce combat, je pense que je vais mourir.
faire qu'un combat avec lui. C'est des chiens. Sans vous revoir pour cette équipe. Non, je vais pas utiliser 50 pierres. Tant pis, on va retourner au palais. Là, la team est bien. Celle-ci, j'ai un peu de mal avec tes persos. J'aurais dû prendre lui. Voilà, une arme et de l'équipement, allez. Tant pis, c'est juste qu'arrive. Du coup. Il faut une armure, il me semble que c'est une bague. Yes. Est-ce qu'on peut en prendre deux? Et pour ce groupe-là, c'est pour être bien. Je l'ai bleu. Ouais, si on n'a pas. Je peux regarder des armures aussi, j'ai regardé. Je peux rien prendre de toute façon. Ouais, du coup, il faudrait un petit peu XP cette team. En tout cas, j'ai un peu de mal. J'ai personne qui fait des dégâts. Des dégâts de terre. Ça, c'est embêtant. Ah, ça fait trop de feu. On a pas mal de trucs. Oui, XP un peu. Ça sert à rien. On va XP un peu cette team là et après faudra en faire une troisième.
troisième team. Lui. Là c'est 3 étoiles, je vais pas m'en servir. Peut-être faire une team 3 étoiles. Pour l'instant comme ça.